Bonjour, bonsoir la famille, comment nous y est? Avec un pile plaisir, me retrouvons sous Kechou News pour porter pour nous quelques nos principales informations qui dominent l'actualité. Coup dur, une autre fois encore pour Guy Philippe et tout le monde qui est en opposition, qui campe en face PM de facto Ariel Henry. Job Bayon Moun qui pensait Ariel Henry se joué la joué. Job Bayon Moun qui pensait Ariel Henry pas prêt pour faire tout ça qui dépend de lui-même pour éliminer tout opposant Lio et puis continuer à rester sous pouvoir ensemble avec un acolyte Lio. Dans le moment, il y a un élément qui est extrêmement important pour Ariel Henry, et bien c'est lui-même qui utilise pour le capable de contrecarrer tout le monde qui campait en face sans pouvoir lien qui parle autre que et commissaire gouvernement au Kailan Ronald Richmond Chulsa. Ariel Henry c'est lui-même l'a utilisé dans le moment pour contrecarrer tout le monde qui campait en face li ensemble avec acolyte Lio. Et bien après Arab Blanc Ronald Richmond te fin mette en bas code dans pour PM de facto Ariel Henry. Maintenant, c'est un bras droit ancien sénateur élu département Grand Est là Guy Philippe, yon monde qui vraiment important pour Guy Philippe, yon monde qui vraiment important dans mobilisation qu'a fait yo, eh bien Ariel Henry fait Ronald Richmond mettel en bas code même gens avec un arabe blanc. Mes chers amis, qui s'est passé exactement, mes chers amis, qui fait me dit nous Guy Philippe prend coucou dur pour ancien sénateur élu département Grand Est Guy Philippe à tout le monde qui n'en opposition capable mobiliser pour GTPM de facto Ariel Henry. Et bien gagne un responsable mobilisation, un entrepreneur, un gros supporter mouvement et révolution Guy Philippe là gagne monsieur Relé Archibald fils. Et bien bonheur matin mardi 20 février 2024 là Ariel Henry fait commissaire Ronald Richmond mette monsieur en bas code. Monsieur pas seulement un entrepreneur dans ville Okay, monsieur c'est un supporter révolution Guy Philippe Blanc. Monsieur c'est un gros responsable dans mouvement manifestation, dans mobilisation qu'a fait contre pouvoir PM de facto Ariel Henry. Et bien je dis mardi là bien bonheur mes chers amis. Ariel Henry fait mettre Archibald fils bras droit Guy Philippe en bas code. Tout le monde qui représentait une menace pour Ariel Henry l'a fait marrer. Tout le monde, mes chers amis, Ariel Henry ouais qui capable camper red ensemble avec Guy Philippe. Tout le monde Ariel Henry ouais qui capable bail Guy Philippe en support et financier pour le capable faire révolution. Et bien ça Ariel Henry pas qu'à acheter, ça Ariel Henry pas qu'à mettre dans marron. Et bien ça Ariel Henry pas qu'à touiller. Ariel Henry gagne commissaire Ronald Richmond Chulsa soufflant Chulsa li utilisé pour capable mettre moun sa yo en bas code Archibald fils gros responsable gros supporter mouvement révolution Guy Philippe là lui-même li en bas code. En parlant de mouvement révolution qu'a fait dans tout pays content et PM de facto Ariel Henry, mes chers amis, nous connaissons nouvelle là déjà. La police en campé en face en population empêché yo manifester contre pouvoir Ariel Henry. Il y a tiré à balle réelle sous yo, il y a bayo gaz, il y a maltraité population. Yon situation dans moment là qui pas seulement mette gang yo en face la police mais tout qui mette population en face la police. Il est samedi nous mes chers amis, la police plutôt te quitter tout monde campé en face li mais pas quitter population campé en face li parce que c'est yo même bagay là a plus difficile pour yo. Imaginez ou dans moment yo gagne gang yo kounya yo gagne population qui campé en face yo parce que y a défendant yon malandrin, y a protéger yon malandrin tant kou PM de facto Ariel Henry. Et il y a pas saccagé population chaque jour à gaz lacrymogène
bal caoutchouc et bal réel. En pile monde déjà victime dans série de mobilisation manifestation qu'a fait content Ariel Henry et c'est pas l'autre monde qui victime yo, c'est la police. Nous te ouais l'été gagné mariage en population avec la police en commence à te belle dans mouvement bois calé et eh bien mariage ça divorce l'en fait ou capable sur les réseaux sociaux là gagné un policier qui tombé un policier qui blessé un policier qui victime en bas mes gang yo comment population s'est fait qui a fait au lieu que yo t'a prend pitié pour policier ou dans sens ça gagné responsable Sinapoa qui c'est organisé qui c'est et syndicat PNH là qui sorti dans silence li baye yon conférence pour la presse pour parler à population autour de ça qui a passé dans moment entre la police et population. Bon qui t'ai nous garder et tendez responsable Sinapoa Lionel Lazare accompagné à avocat yo et quelqu'un l'autre membre dans syndicat PNH là qui te prend la presse en bail conférence pour comment yo capable unir population avec la police yon bagaille qui vraiment vraiment pas facile du tout dans moment. Bon qui te nous vivant comment conférence ça t'a déroulé et que bagaille qui vraiment important que ou besoin qu'on ait ou va le découvrir dans conférence pour la presse parler écrit télévisé média en ligne. N'a pas salué population haïtienne en général. Et nous saluons tous les policiers et policières à travers le pays. C'est un plaisir matin que Sinapoa présente la conférence de presse par rapport avec ensemble de problèmes qui viennent dans la police là, par rapport à un paquet de monde qui a reproché le comportement enseigné de policiers, les dossiers qui viennent au niveau du cap haïtien. C'est pour ça qu'il fait que nous là matin, pour nous même au niveau Sinapoa, pour nous présenter, pour nous faire une conférence de presse, pour nous parler avec la population, pour nous faire connaître qui côté la police a sorti, qui forme de collaboration qui est supposée en population avec la police. Là. Nous sommes sur table avec l'avocat qui se met Jean-Onel Sistanis, qui est avocat Sinapoa. Et nous gagnons ensemble avec nous tous le porte-parole. Le principal Sinapoa qui c'est Foxy Francisco. Nous, chaque qui là a gagné pour nous intervenir sur un point. Et nous avons gagné tout pour nous parler de revendications policières, comportements policiers, tout ça. Je pense que c'est là où je dis ça qui fait que nous, là, matin, pour nous présenter conférence de presse. Et une autre fois encore, nous dit merci à tous les journalistes qui là. Qui présent, qui fait Sinapoa confiance à chaque fois que nous avons une conférence de presse, nous toujours présent. Nous le faisons encore, nous sommes bien contents là matin pour la conférence de presse. Nous saluons les membres de la presse qui est là matin, radio, télévision, médias en ligne, et qui a permis que la population et les policiers, en pile monde dans la diaspora, attendez et gardez les conférences de presse là. Et côté Sinapoa, et parfois moi dans le premier point à fixer position by compréhension de ce qui a passé dans la population aujourd'hui. Et nous saluer tout le monde tout qui par rapport soit aux médias en ligne qui en direct qui attendent nos matins. Nous saluons tous les policiers et policières, tout le monde qui est dans la population civile là et qui est dans la diaspora. Tout. Policiers et conséquents, policiers vaillants, policiers qui connaissent l'importance dans la société là, et nous avons une salutation spéciale pour eux. Jean que nous connaissons déjà, tout même journaliste qui a fait commentaire, qui a fait analyse, et nous dans la rue depuis quelque temps, et la police là lui fait objet de une série de critiques dans la population. Et critiques ça yo, nous lions, nous entendons sur réseaux sociaux. Critiques ça venu soit par rapport à quelques actions regrettables, un policier est capable de poser dans le cadre d'intervention,
critique qui vient tout soit par rapport à un manque de service et que population li estime que et la police là pas bail la police là manqué efficace dans service que li a bail ou bien tout des fois et critique ça vini selon ça et yo dit de et un policier qui a agi surtout par rapport à mouvement de rue qui gagne yo ben yo dit que c'est la police là qui kembe pouvoir en place là. Eh bien, si n'a pas vle di par rapport à tout ça que nous li, ça nous tande et ça nous vive. Si n'a pas vini matin pour capable parler avec population, il vini pour parler avec policier yo, il vini pour parler avec tout monde soit qui a appelé sur réseaux sociaux ou bien qui a réagi. Nous vle di policier nou yo que nous connaît que chaque jour yo menacé. Et par rapport à ça qui a dit yo, policier ont senti yo menacé dans travail yo. Yo senti que yo menacé dans vie civile yo lorsque yo pas en service. Yo senti que yo menacé sur réseaux sociaux yo pendant que déjà yo t'a fait un travail qui difficile, un travail qui compliqué. Le nous dit difficile et compliqué. Policier a dit dans la rue a il vient pour protéger tête li pour la mesure pour le bail service, il vient pour protéger population civile là tout qui a fait passer les revendications, il vient pour protéger les institutions de l'État, il vient pour protéger les biens privés et publics, il vient pour protéger journalistes là tout qui bon côté qui travaille et qui là pour travailler en collaboration avec ça veut dire nous connaît que travail policier li difficile pendant nous te connaît difficile moment ça aujourd'hui a l'on parler avec un policier li senti que li menacé. Eh bien Sinapora li profiter de conférence de presse ça pour parler avec en population pour dire population en tout que la police là c'est la police parle. La police là li sorti dans entrailles, li sorti dans matrice. Nous voulons dire matin que police ça que nous gagnons c'est police population et population c'est population la police là tout parce que nous mêmes qui c'est policiers nous gagnons une vie civile, nous gagnons un statut civil lorsque nous pas en service. Eh bien le nous fin travail, nous pas la caille nous c'est camionnette nous prend, c'est motocyclette nous prend, c'est bus nous prend. Ça veut dire nous même encore ces petits monde qui dans population ennuyé, ça veut dire nous en dans population comme police. Et la police a été créée ces populations qui te mandel, ça veut dire population c'est nous mêmes c'est pour nous et nous mêmes comme policiers c'est policiers population en tout. Donc Sinapora li profite dit que la police là li pas ennemi population. La police a pas joué rôle militant. C'est population qui te demande police là. Police a sorti dans un travail population et eh bien population li condamné pour le travail et en parfaite collaboration avec la police là. Donc, yon action regrettable, soit de yon policier envers yon membre dans la population, ou bien envers yon journaliste, ou bien dit yon action, yon incident regrettable, pas capable de mettre toute population envers la police, là, envers l'institution. Nous connaissons toute institution, dans toute structure organisée, capable de gagner un pourcentage faible, un minimum de membres institutions qui capable poser soit des actions malhonnêtes ou bien nous capable de dire des bavures. Nous connaissons des bavures policières, nos bavures policières pas capable de mettre toute institution face à la police, pas capable de mettre toute population face à la police. Là. Sur une note qui date 15 février 2024, de barreau et du cap haïtien. Notre ça a demandé pour que l'avocat du barreau du cap haïtien
pas assister devant le tribunal, pas assister par défendre policier qui était dans l'altercation avec le commissaire du gouvernement de Cap-Haïtien, Maître Charles et Edouard Duval. Et en tant qu'avocat, avocat bar de Port-au-Prince, n'a pas rappelé que à commissaire ou bien à Bao et Cap-Haïtien que notre SAR est complètement en contradiction avec décret 79 là, régissant la profession d'avocat. Il faut rappeler au Bao de Cap-Haïtien, aux confrères avocats et de Cap-Haïtien, que conformément à l'article 2 du décret SAR, la profession d'avocat, elle est libérale et indépendante. C'est-à-dire, Bao, il y a un contrôle de l'ICAP de faire surveillance sous discipline comportement avocat, yo, même pas gagner pour imposer ça. Si un avocat a choisi à défendre policier yo, et que pour Bao, lui-même dit que yo pas gagné pour ça. Donc, ça veut dire que les Bao Cap-Haïtien dit censé voulait retirer indépendance et qui vient dans quatre exercices profession d'avocat. Donc à aller plus loin, on dit que policiers ont même des moyens pour te payer service en cabinet pour défendre. C'est les barreaux même qui devraient choisir des avocats, mettez-les à disposition et de policiers ça. C'est vrai que nous condamné, il faut le dire, comportement policier, bien sûr. Nous n'avons pas encouragé les policiers à agir dans ce sens. Mais cependant, nous n'avons pas en aucun cas que Bao Cap-Haïtien retire les droits policiers pour gagner un avocat pour assister. Et c'est pourquoi nous, comme avocat et avocat Slavois, nous sommes disponibles pour les policiers. Nous sommes disponibles pour nous rendre au Cap-Haïtien, pour normalement aller devant le tribunal au Cap-Haïtien pour défendre, parce que nous connaissons que c'est un droit sacré. Les policiers, ils ont droit à un avocat, tout comme n'importe criminel notoire. Que c'est Iso Matin qui a parlé pour mon avocat. Quand dit Iso, mon cher, comme moi, je suis un peu professeur de défense de droit monde, je ne suis pas un avocat ou non, mais n'importe quel avocat choisi à défendre, je ne suis pas critiqué. Ouais, qu'il soit évité l'homme. N'importe qui est non comme criminel notoire, il a un droit à un avocat, donc son droit fondamental que lui. Donc dans ce contexte, nous ne parlons que Bao Cap-Haïtien les hautiers droits policiers et pour jeune avocat pour le défendre. Donc c'est vrai que nous disons déjà, nous critiquons le comportement ça, nous pas souhaiter qu'il nous répète, mais cependant, la note du Bao de Cap-Haïtien alimente la division. La police est l'auxiliaire de la justice. Donc du coup, il n'y a pas qu'à fonctionner sans l'autre, Lazare. Donc, c'est-à-dire que qui est-ce qui a mené un prévenu, bien détenu, à devant le tribunal pour attendre pour juger la police? Est-ce que le commissaire gouvernement bien juge yo, capable de rendre personnellement dans les prisons et pour aller prendre prévenu bien détenu pour attendre yo? Non, c'est la police comme auxiliaire de la justice qui est placée pour jouer ça, pour mener détenu, prévenu à devant le tribunal. Donc c'est-à-dire que je pense que le barreau de Cap-Haïtien n'a pas trop bien réfléchi. Je prends note, je pense à la va-vite, demande pour ressaisir yo en tant que confrère avocat que je respecte, pour ressaisir yo pour repenser notre pays au bras, pour que nous ayons l'autre dénouement dans la question ça. Moi, je n'ai plus souhaité que ce bagage qui vient nous mettre là-dedans. Et que le commissaire a rendu compte que quelque part, il y a un comportement qui était capable de tout pas trop correct. Parce qu'il y a cette tendance à savoir dans le pays, lorsque nous connaissons ces autorités anti-gens arrogants, ou bien ça, alors pas ça qui arrive non, mais il y a une arrogance lorsque vous êtes directeur général, ils sont ministres, ils sont commissaires du gouvernement, donc c'est une arrogance, et leur faire la police, ou censé, ou même en quelque sorte, et bien piétiner droit lui-même, les cas sentir lésés, puis une réaction. Donc moi, t'as souhaité que, vous entendez plutôt, comme quoi le commissaire, le barreau de Cap-Haïtien, il y a des réunions qui sont faites avec la police, et que bagaille ça,
il excuse de part et d'autre, nous traiter le comme ça pour que nous éviter division ça. Ouais, la note du barreau de Cap-Haïtien alimente la division et nous même comme avocat nous pensons que division pas au profit de la justice ni au profit de la police. Donc du coup, c'est pourquoi nous critiquer notre là en même temps nous critiquer comme comportement policier. Merci. Yon l'autre fois encore nous saluons tous les journalistes qui là qui présent dans quatre conférences de presse que Sinabo a fait là. Et Jean avocat Sinabo a sorti là, Jean que porte-parole Sinabo a sorti là. Nous même au niveau Sinabo, nous connaissons que la bataille que nous avons menée, c'est pour bien-être policier, c'est pour bien-être toute institution. Parce que si nous faisons partie de l'institution, donc nous supposons bataille pour bien-être ni institution, ni policier. Ce n'est pas sans raison qui fait que nous même au niveau Sinabo, nous toujours dans toute ville de province, au côté qui est commissariat, pour nous chercher information et puis tout soumettre rapport à la direction générale et la police. Nous rencontrons avec les policiers souvent, nous parlons ensemble avec eux, nous prenons doléances et puis tout nous-mêmes pour nous capables de faire rapport à la direction générale de la police. Je dis à la, comme syndicaliste, comme structure qui a boumé pour bien-être policier, il y a plusieurs choses qui ont passé et nous estimons que l'immandé pour nous parler de eux. Par exemple, nous avons une institution côté que la majorité des policiers qui prennent grade depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans, jusqu'à présent, il y a beaucoup de gens capables de toucher et arriver grade. Nous gagnons une équipe qui est nommée, ça va gagner 2 ans et demi, qui est personnel administratif en institution. Et jusqu'à présent, il y a beaucoup de gens qui ont le travail, mais jusqu'à présent, il y a beaucoup de gens qui touchent. Il y a beaucoup de gens qui touchent. Ça fait que nous-mêmes, dans la conférence, nous avons demandé à responsables au niveau de direction générale de la police, au niveau de gouvernement, parce que CSPN, c'est le coiffé la police en soi d'Haïti. Si toutefois que gagne un policier, mon commissaire divisionnaire l'a touché grade commissaire de police. Mon agent 4, policier agent 4 l'a touché grade agent 1, agent 2. Qui donc, ça n'est pas bon pour moral policier. Tout ça, c'est un problème qui supposé résoudre en dans l'institution pour les policiers. Problème matériel qui va gagner dans la ville de province, le commissariat n'est pas en état, il n'y a pas d'équipement pour capable faire face carré avec ça qui est là, journée aujourd'hui. Et les policiers ont plein sous comportement ensemble de responsables au niveau de la police. Là. Et surtout dans le département Grand'Anse, que nous avons directeur départemental, c'est des autres seulement qu'il a fait. Ça fait que nous attirons l'attention de la direction générale, la police a sous ça déjà, pour garder qui mesure qu'il prend. Parce que nous n'avons pas qu'à directeur départemental pour les policiers qui travaillent ensemble avec nous, ils n'ont pas qu'à faire confiance. L'autre bagarre encore, et nous avons dit sorti pour le mois de janvier pour arriver le mois de février à la guerre. En total, 10 policiers qui mourent. Comment que pour le policier mourir? Il y a 7 policiers qui mourent, c'est malade que le policier a été malade. Ils ont mouru. Il y a 2 policiers qui mourent récemment, là, le 14 février, dans la zone Bostad, policier 31e promotion. Et puis tout, nous avons hier, dans la ville Cap-Haïtien, un policier. Rémi Sens, qui sont 22e promotion, qui travaille dans SDBJ. Information responsable Sinabo dans le département Nord-Banou, c'est que le policier a fait une transaction. Et puis, les tapal la Kaili, les exam croisés, ils ont fait braquage sur lui, ils ont tiré, mais le policier a eu un cas d'échange qui était gagné, il y a eu un M. Bandio qui est tombé. Madame policier a eu un balle dans la main, petite li, sorti sain et sauf. Donc, bon, l'autre policier encore, c'était dans Torbeck qui était fait un accident. Et qui donc, il y a 10 policiers pour qui ont perdu la vie, soit un accident ou bien qui mourit par balle. Pour ça qui a passé au Cap-Haïtien, nous-mêmes au niveau Sinaboa, nous avons plusieurs notes que nous faisons sortir, nous faisons plusieurs interventions sur ce qui a passé au Cap-Haïtien. Nous trouvons que Jean avocat Sinabo a sorti là sont en tête qui pour joindre dans 4 dossiers ça parce que la justice cap-haïtien pas capable vlesser ou même qui pour porter solution encore par rapport avec ça qui là l'aide des petits monde dans compte bon problème
c'est chercher pour chercher en tant que parlant pour connaître qui ça qui existe en deux timons. Parce que la très difficile pour yon rete comme ça, li ba l'autre la cour sans que pas gon bagay. Et donc, policiers ont fait travail, nous même au niveau Sénatoire, nous pas encourager pièces policières à travers le pays à gagner des comportements qui capable de permettre que les vins affectent le travail. Et ça fait que nous toujours encourager les policiers pour y rester dans les limites, pour exercer le travail dans Jean la loi Mandel, pour ne pas agir n'importe qui gens, parce que quel que soit Jean Saïa, tout le monde a prouvé que on l'autre monde qui a fait un bagage qui n'est pas bon, mais des pour ces policiers, tout le monde a prouvé. Nous parlons avec les policiers, nous parlons avec le commissaire gouvernement pour garder tes bonnes rencontres qui étaient faites hier, cap haïtien entre commissaire pour gouvernement, la police, directeur départemental, police. Mais par rapport avec notre qui sortit que nous sommes Baroua, donc Baroua a retiré trois policiers. Je ne sais pas que deux, trois avocats ou bien deux, trois juges en mesure pour retirer droit que un policier gagne s'il font bagarre. Quel que soit ça au monde fait, jodi a là nous comprenons que avocat capable ici juge yo capable assister voler, yo capable assister moun kap kidnapper moun, yo capable assister dealer drogue parce que peut-être c'est moun ça yo qui gagne cob qui capable payer yo, mais policier lui-même li pa gagne cob par rapport avec un bagarre qui passé jodi a là. Bah, on a dit que pour pièce avocat pas assister policier ça. Par rapport avec notre ça, on a demandé tout policier à travers le pays. Nous n'avons pas besoin qu'on ait que vous tenez une unité spécialisée, ou tant par commissariat, ou tenez un garde côte, quel que soit côté dans la police là, on porte solidarité nous à policier Udmo ça qui dans isolement cabahisien, parce que nous estimons que au niveau Sinaloa, y a besoin à tout prix faire policier au habit. Et c'est moment privé où nous mettons tête nous ensemble en tant que policiers. Et policiers qui ont détachement avec juge, avec commissaire, gouvernement, qui pensaient que d'un matin, ça crivait collègue de Moyo, dans le cadre de travail par eux, ils sont capables de river autour, nous demandons de font détacher de Mounsayo qui comprennent que pour humilier nous, les gens qui ont fait là. Nous demandons pour l'inspection générale de la police à tout, assumer responsabilité pour mener enquête. Et nous demandons que pour le ministère la justice, qui c'est le ministère des tutelles, la police et le commissaire gouvernement, pour y fouiller pour chou. Dans le dossier, parce que quand imaginez, je dis, Jean avocat au campé, ou bien monsieur qui n'en bas au cabaïsé au campé, le policier au cas dit bon, yo même, yo pas pas exécuter le mandat. Yo pas pas en prison yo, pour yo mener prévenir. Devant vous, laissez ça comprendre que c'est moun sa yo qui pi mal place, qui pi mal là, c'est eux même qui a souffri. Donc, nous souhaitons que gon entente qui joigne par rapport avec ça. Pour nous finir, et nous capables suivre des donnons là, nous venir avec un ensemble de bagages pour faire population connait que policiers c'est dans ma crise population yo sorti. Policiers c'est petite population. Pour quelle que soit raison, nous n'avons pas le droit pour nous diviser. Pour quelle que soit raison, nous supposons être soudés, capables de problèmes qui passent. Nous avons toujours joué ça, et ça qui a passé là, ce n'est pas seulement arrivé dans la police haïtienne. On pas de côté, il y a des policiers qui ont fait des bagailles qui ne sont pas cadrées avec le travail par eux. Mais quand même, depuis qu'il y a une intervention qui a fait, nous avons toujours joué ça. Mais nous, même au niveau Sinaloa, nous disons la population pour ne pas quitter la pièce de monde à manipuler. Je dis à la, un policier capable de gagner n'importe quel sens comme problème, c'est là qu'il y a un monde pour rentrer, pour prendre soin. Qui, à qui quelqu'un va gagner pour ne pas recevoir un policier la caille. Ça fait que nous disons que c'est celle institution qui est là, malgré tout ce qui a passé là, nous c'est celle institution qui était campée là. On continue à travailler maintenant avec la police là, puisque la police là, c'est population, population, c'est la police là. Nous condamner, nous jurer pour nous travailler ensemble, parce que nous sortons dans la matrice population. Et nous regardons, on t'a caché sous travail en police à faire. Et ça passe là, nous connaissons tout ça dit autour de lui. Et si nous avons enquêté, nous renseignons sur ce qui s'est passé là.
nous comprenons que, et nous disons ça déjà, c'est un incident qui arrive, qui n'a pas besoin d'arriver là. Et il était capable de gérer si des deux côtés, et pas de gain excès, soit dans le comportement ou bien dans une forme d'agissement. Il était capable d'éviter, il était capable de pas besoin d'arriver là. Mais comme il arrive, c'est pour ça que Sinapoa a fixé position à travers une note qui était sortie le 14 et février. Quand Sinapoa a demandé, et le fait que ça arrive, et responsabilité doit être fixée des deux côtés. Mais comme nous avons piqué devant qui a fait un marché pressé qui a fait du côté des parquets et du Grand Nord, donc Sinapoa a demandé pour que y ait une commission spéciale qui crée. Là-dedans, il y a un représentant de la justice et au CAP, il y a un représentant de la police là. Côté, il va l'enquêter sur ça lorsque il requiert information. Donc, non seulement il y a produit rapport, mais il y a bien pour choisir un juge qui est impartial, qui n'est qui pas sorti dans la juridiction du CAP pour affaire là capable de traiter devant pour que les responsabilités soient capables de fixer des deux côtés. Nous ne disons pas grave, nous ne disons pas grave. Parce que lui était capable de pas arriver là, sauf que tu as certaines incompréhensions des deux côtés. Et côté magistrat, au début, qui n'a pas identifié, après ça, qui descend pour montrer l'autorité, qui a pris plus d'espace pour les machines de côté de faire. Comme ça, tout le policier était capable d'essayer de maîtriser le magistrat. Et s'il le faut conduire, le commissariat a adressé un rapport, fait suivi, ça était capable. Pas arrivé là. Donc, il était capable pas gagner excès dans la façon que il agit. Donc, ça était capable pas arriver, mais comme il est arrivé là, Sinapoa fixe position à travers notre SAA pour que les responsabilités soient capables de fixer les deux. Sinapoa, comment on dit ça? Et comme nous, les policiers, et parce que nous-mêmes, nous journalistes, nous avons tout bagage. Par exemple, lorsque les policiers qui ont dit, soit dans 8 mots ou bien 6 mots, après sécurité de manifestation, les boulons, c'est pour prendre gaz là, que nous gênons, pour disperser la foule là, si vous êtes dispersé. Est-ce que c'est seulement à hauteur d'homme qui a tiré, ou du moins, au bon moment, qui a tiré dans une position pour ne pas frapper le monde, après ça, pour le gaz à boire, pour le gars? Et nous-mêmes, gestion de foule, médecin d'ordre, sont formations spéciales que nous. Moi-même, comme policier, moi, je fais partie de la brigade d'intervention. Moins fait médecin d'ordre, mais il n'y a pas de spécialité. Moins fait comme policier qui connaît l'intervention. Moins fait médecin d'ordre, mais il n'y a pas de spécialité. Donc, il y a un policier 8 mots, il y a un policier 6 mots, qui est capable de mieux répondre aux questions. Mais comme policier, moi je voulais dire, et dans la gestion foule, oui, pour qui ça va utiliser le gaz? Ou capable de bailler commande à un groupe pour ne pas faire ça, ou bien pour faire ça. Mais il n'y a pas attendu. Ou réitérer commande là, il n'y a pas attendu. Gaza, c'est un moyen pour disperser la foule là. Ou capable de faire usage de Gaza. Sauf que l'heure où on peut utiliser les. Donc, vous connaissez qui fait ça. Il y a une direction que vous devez lancer le gaz là, soit par rapport à si vous voulez atteindre, par rapport à la direction fin, ou pas obligé de lancer sur le monde directement. Nous n'avons pas dit que c'est ça qui fait ça, qui arrive la policialité de lancer le gaz là, et puis dans la direction de lancer là, c'est là où le monde est trouvé, sans qu'il n'y ait pas ciblé le monde. Donc, ça arrive parce que il y a pile de monde qui n'a pas espace, ça qui arrive. Même gens, quand il y a autant de savoir les balles en donc on ne doit pas cibler pour être accompagné par un projectile. Le fait que de trouver le mauvais moment, le mauvais endroit, c'est lui-même qui est touché. Donc c'est ça que nous-mêmes, nous qualifions d'incident regrettable. Est-ce que le policier a été volonté pour te toucher mon nom par bon nom? Non. Même journaliste, la victime. Est-ce que le policier a dit qu'on est journaliste, qu'il y a des bagages personnels avec elle? Non.
depuis où dans foule, il y a des incidents regrettables, déplorables qui capables de vivre. Mais Guénèque qui pointe directement, exactement, à hôtel d'homme, bien ou pas bon. Ok, même genre, qui est capable de constater un journaliste, soit qui frappe un policier, qui utilise un bagage pour frapper un policier, est-ce que le carané dit journaliste un bagage? Non, moi prends un simple cas parce que nous connaissons un cas comme ça. Est-ce que moi-même, non, je n'ai pas de journaliste. Je n'ai pas de journaliste. Bonne parole. Les cas militants, les cas journalistes, parce que nous connaissons des cas d'exemples comme ça. Même gens nous pas acculer les journalistes, même gens nous pas quoi aucun volonté pour acculer un policier, c'est faire que nous avons gardé, nous avons fait analyse. S'il reproduit l'équité des séquelles que nous pas déjà eu là, pour ne pas arriver encore. Donc ça arrive entre journalistes et policiers, arrive entre militants avec les policiers. Bonne parole. Pour un titan, retirez tout comme un policier, regardez pour Hugues Moyo qui bastonne un commissaire. Est-ce que ça va venir mettre en tête tout? Même pour qui misait la population pour aller passer avec tout journaliste, à pas même policier ça. Là, ça peut nous poser une question. Ça. Non, on parle de commissaire, on parle de journalistes. À l'aise. Je vais regarder pour une façon. Il y a un policier, ton chef, commissaire là. Oui, ça, et qui ça qui vous monte dans tête tout et pourquoi mon policier ça ou pas approchement avec population et journaliste. Si vous dites ça, j'ai l'impression que vous ne pas retenir rien de ça, vous dites ça. Si vous dites ça, vous ne parlez pas que si vous pouvez fixer position. Si vous dites ça, vous ne pas retenir que moi-même, moi, je dis. Son incident regrettable, te gagné son mauvais agissement des deux côtés, il n'y a pas de besoin d'arriver là, faut que responsabilité soit fixée des deux côtés. Ok? Lors du policier, il bastonne le commissaire. C'est moi qui ai dit la loi, pas autorisé aucun policier à frapper n'importe quel citoyen. Il va obliger un commissaire. Mais tout, c'est moi qui ai dit tout ça arrivé par rapport à commissaire. Non seulement au début, qui pas identifier au début parce que tu estimes les policiers ont frappé vite trop fort. Deuxièmement, le film de son policier par la veille, il voulait montrer le pouvoir, il déplace la machine à côté de l'IA, là il bloque plus d'espace pour le jeune temps, pour le descendre, pour la parler avec les policiers. Nous pas faire remarque ça autour. Nous, moi-même comme policier, moi qui étant 10 policiers, lui, si ça arrive exactement, j'ai dit là, il mal agit. Comme policier professionnel, il mal agit tout et il agit en dehors de la loi. Mais il est temps de dire tout. Mais on ne peut pas prêter un seul bord. C'est un incident qui arrive qui concerne deux entités. Donc, ça qui est important, c'est une enquête qui doit mener pour que le monde qui a retranché, dans toute impartialité, pour que la responsabilité a fixé des deux côtés. Donald Lassan, il y a un gouvernement haïtien qui fait appel à une force multinationale pour venir aider nous combattre le phénomène banditisme avec gang qui a ravagé la société haïtienne. Nous-mêmes, en tant que policiers, qui est-ce que nous faire une proposition, ça vient de ça, et tout, est-ce que nous-mêmes, comme policiers, nous estimons et par rapport à ça, la police, PACA, et résout le problème là, tant qu'on a pu nous passer. Bon, moi, je pense que nous, au niveau Sénat, le gouvernement nous a fait appel avec force. Si nous rappelons, nous, les deux forces qui sont dans le pays, c'est le ministère qui fait près de 13 ou bien 14 ans et après que vous venez aller. Ensuite, pour 4 ou bien 5 ans après que force a fini, le pays a venu. Et puis mal que j'en ai là. C'est juste pour me dire que ce n'est pas l'union force qui va résoudre le problème de sécurité là. Parce que si toutefois que le ministre a fait 14 ans ou bien 15 ans dans le pays, 6 ans après que le final, nous et que même Matissan nous pas passé, dis-moi que 300 policiers Kenya qui viennent là, est-ce que la police nationale d'Haïti a un problème 300 policiers? Si moi seulement gagné plus que 300 policiers. Il m'a gagné seulement plus que 300 policiers. C'est pour me dire que mon problème de volonté, dans le plus haut niveau de l'État, parce que la police nationale d'Haïti qui est là,
policiers qui travaillent. Et malgré que grand pile critique capoté contre police contre institution, malgré tout, c'est eux-mêmes qui capable qui permettent que jodi a là nous ca venir dans conférence là. Nous connaît que bagaille difficile, mais plutôt c'est l'État qui peut assumer responsabilité. Jodi a là moi-même en tant que policier. Porte-parole là en tant que policier, il pas qu'à décider pour prendre 4 5 policiers li dit pour mener opération. Les autres petits monde qui parle l'école ou connaît que toute sorte doit acheter pour lui pour aller à l'école. Et là, le final de l'école, là, résultat que ou besoin, il faut qu'on bal moyen. Si pas bal moyen, ou pas qu'on a fait moyen 1, moyen 2, et puis tout, ou pas le caler comme ça pendant ce temps, ou pas bali, ça, ou doit bali. Qui donc, le gouvernement doit assumer responsabilité, parce que quelle soit façon, c'est dans la police à nous croire. C'est moyen qui pour gagner. Moyen qui pour permettre que les policiers, capable de faire pénétration. Jodi a une bagaille que nous voulons, population qu'on est, par rapport avec gens et zones, géographiquement, gens que zones positionnées. Et il faut que la police a gagné des moyens. Par exemple, qui ça empêché que 29 ans après, que la police a gagné une ou bien deux hélicoptères. C'est juste pendant ce temps, dans le plan de développement 2017-2021, PPNH là, il était en donne. Dit que faut gagner une police de délai qui t'a bien hélicoptère. Mais est-ce que c'est directeur général de la police qui va le permettre que gagne? Non, c'est gouvernement à travers moi et à travers budget. Je dis, quel que soit ça ou qu'a dit de la police a gardé qui ça le cas fait. Est-ce que ça veut dire que le DTHEO, c'est pas derrière la décor, la police a des visions? Par rapport à ça, gagne la journée, je dis à la configuration zone aux gens que yo puis là, nous pas dit blindé, pas qu'à répondre. Mais on garde des configurations zone. Et n'a blindé ça que n'a besoin c'est d'être blindé que nous capable faire pénétration ensemble avec eux. Et ça fait que nous dit l'État c'est pour l'État assumer responsabilité. Je dis quel que soit ça que là ou qu'a retire un directeur jodi ou retire un demain ou retire un après demain si l'État va assumer responsabilité quelle que soit volonté moun ça gagner comme directeur la police depuis que l'État n'a pas mis en condition pour le bail. Résultat, l'a fait 2 mois le parler. Imaginez-nous, dans 4 ans, nous passons 4 directeurs généraux de la police. On garde les résultats. Est-ce que le problème, non, c'est dans le directeur? Nous comprenons très bien. L'homme nous vient comme directeur, quel que soit le poste qui est au bas, ou bien devoir pour bail résultat. Ou pas capable de bail résultat. Seulement au fond analyse de situation et puis on connaît qui sont fait. Nous-mêmes, nous pas gagné pour nous dire mais qui sont directeurs généraux de la police pour faire, si pour le démissionner ou pas. C'est lui qui bon pour ça, c'est lui qui connaît que si la prêté ou pas. Mais c'est pour l'État assumer responsabilité parce que nous-mêmes, nous croyons dans la police là, nous croyons dans toute unité spécialisée, nous son volonté politique et c'est politique là tout. Qui crase la police sur l'Haïti et c'est pas sans raison tout qui fait nous 10 policiers attention pas mettre au service de un groupe monde attention pas mettre au service de un gouvernement parce que gouvernement qui l'a bralé directeur la police qui l'a bralé ministre qui l'a bralé mais la police a prêté la mi temps pour l'Haïti on dit conditions vraiment de Il y a tout document dans la main qui connaît que matériel que la police a besoin pour résoudre le problème de sécurité. Al Diola, c'est peut-être plus honnête ce qu'il va faire parce que c'est SPN qu'on connaît. Ensuite, tout pour ça qui est pour avec question blindé, nous tendons ça en mille. Nous croyons que l'inspection générale lui-même, qui c'est la police des polices, c'est l'équipe qui mène enquête sur ça, pour qu'on ait, parce que nous ne pouvons pas tolérer tout au niveau de ce que policier fait ça. Nous ne pouvons pas les policiers comprendre que parce qu'il y a 7 syndicats dans la police, ils ont fait n'importe quoi. Non, le comportement que vous devez gagner, et que chaque monde connaît que dans tout le monde qui a dit, c'est peut-être formation l'école, pas bon, non. Et l'école nationale de police, c'est une meilleure côté en Haïti qui forme les policiers.
et qui formé au selon principe là. Ça qui arrivé, bon, police arrive, on va le faire, a fait pas. Même quoi que, question bagaille blende a, nous tendez et nous on peut parler avec policiers pour regarder que si tu fais des policiers qui t'a impliqué dans ça pour le suspendre parce que l'image là il va beaucoup. Non, intervention que vous avez fait, notre travail que vous avez fait pour vous agir avec plus professionnalisme. Pour vous agir sous couverture la loi parce que vous avez des gens qui sont là pour aider et faire respecter la loi, mais là vous avez agi tout pour vous agir en bas couverture la loi. Donc, tout policier doit montrer sens professionnalisme dans ça que nous avons fait parce que nous pas gagné ennemi. Nous travaillons avec tout le monde, nous travaillons pour tout le monde dans l'exercice et mission. Donc, nous voulons dire à la population en matin, la police, c'est la police pâle. Nous voulons dire à la police et la population, c'est eux même encore. Donc, nous sommes seuls, nous condamnés pour notre travail ensemble. C'est même gens, nous avons parlé de la population, nous avons parlé de journalistes surtout. Donc, les policiers jouent le rôle de journalistes parce que la police fonctionne sous base d'informations et ces informations que nous pouvons gérer, nous traiter pour être capable de faire de meilleures interventions quand on a utilisé différentes stratégies pour bailler les résultats dans l'accomplissement de la mission. Et bien, ce travail de journaliste là, tout, c'est collecte d'informations, les traiter pour faire la population comprendre, pour aider à comprendre. Et partager information autour avec la police, parce que les journalistes sont dans la population autour, pour que la police soit capable de faire le travail. Donc, j'en nous constate sur les réseaux sociaux, j'en nous constate sur une série de médias, qu'il y a des journalistes qui ont fait citation et à la violence contre des policiers, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui ont demandé pour attaquer les policiers, pour attaquer les institutions. Donc, nous voulons dire que nous sommes un seul. Un incident regrettable, pas capable de mettre toute population en face, institution en face, policier. Nous disons ça pour la population civile là, nous disons tout pour les journalistes. Pendant nous avons une pensée spéciale pour les journalistes qui ont subi, et côté Bobon Gaza, qui était tombé dans le visage de l'hyperdigé. Ils sont journalistes que je connais très bien, nous habitué à parler, nous habitué à réagir dans l'émission. Donc nous qualifions, c'est un incident regrettable qui pas doué arriver là. Donc moi dis, même j'en ai pas la population capable, t'es capable de victime comme ça. Donc journaliste ça te gagne doit trouver tout un moment non en droit côté lié à cette action va passer les victimes, même j'en ai pas tout monde t'es capable de victime. Donc son incident qui passait, nous regrettons nos nouvelles pendant nous demander à police autour pour yo agir avec et professionnalisme. Donc et Sinapoa li a demandé pendant la demande des policiers pour yo agir avec professionnalisme, pour yo agir dans respect la loi, mais pour yo connaître tout yo a bay service. Service là c'est pas avec autorité de l'État seulement, mais service ça c'est la population. Donc yon policier pas capable afficher un comportement non capable de militants qui peuvent faire la population ouais que va supporter un gouvernement, un homme politique. Mais leurs policiers, même genre avec journalistes, ou là pour faire équilibre et ou là pour agir selon normes que la loi lui-même lui mettait en place. Donc, en nous pas mettre en face non tout le monde dans la façon que nous avons agi. Pour ça, on nous évite campagne de dénigrement, campagne de déstabilisation, ça a nous ouais, qui a fait dans les médias, qui a fait sur les réseaux sociaux contre les policiers, contre institutions. Institutions sont institutions de l'État. Moi-même, comme policier, je dois demain si je veux me révoquer, je vais dans l'institution encore. Je dois faire abandon pendant l'institution encore. Je dois voyager, c'est des hommes et je retire dans l'institution. Mais moi, je suis un monde, moi, je suis un citoyen. Donc, quel que soit côté mieux, la constitution haïtienne
li exige que nous devons service à un monde qui n'a nécessité quel que soit statut moun sa li capable gagner. Donc en nous ensemble, je dis à c'est pas seulement moi-même comme porte-parole Sinaboa comme policier qui a demandé population pour le travail avec la police là, parce que c'est même nous-mêmes là encore et nous-mêmes journalistes en nous aider nous faire campagne ça contre mauvaise campagne qui a fait yo, contre campagne de déstabilisation, campagne de dénigrement qui a fait yo, en nous faire travail ça ensemble pour nous demander policier exécuter travail yo dans professionnalisme. Pendant tout, nous avons demandé à l'État central, nous avons demandé à l'autorité et dans plus haut niveau dans la police là, pour bailler à policiers les meilleurs moyens, pour bailler aux moyens et matériels qui approprié pour nous faire face à la situation, à la forme de sécurité, forme de gangsterisation que nous gagnons là aujourd'hui. Donc nous sommes capables de comprendre, des fois, un policier capable dans une situation. Et les commettre une bavure, c'est par manque de moyens. S'il te gagne un moyen qui te proportionne la situation, et bien un incident regrettable qui passe, te gagne droit pas passer. Comme ça tout, faut que nous levions voix nous ensemble, même genre avec la police là, médias, mon population, exiger de l'autorité centrale et disposition avec moyens et matériel approprié pour nous capables de travailler. Les policiers qui connaissent la mission, ils font ça, ils forment pour la population de travail, pour la population de service, pour le travail. Mais par rapport à la situation dans telle zone, s'ils n'ont pas de moyens pour y intervenir, eh bien, ils n'ont toujours pas capable de faire ce service-là. Parce que, premièrement, moi, je vais apprendre ça dans 5 comme policier. Pour me protéger, il faut peut-être me protéger d'abord. Pour me capable de mesure, pour m'aider, il faut que je sois dans la situation pour m'aider d'abord, pour que pendant que je peux aider, ce n'est pas une action suicide que je fais.